C'est un cousin du lot précédent, puisqu'il est issu de Domino des Modes, par Castle du Berlay. Il est présenté par Douglas Macmillan, le Canadien écossais de France. Et il est né le 11 mai. C'est un fils de Castle du Berlay. Première génération de Castle du Berlay. Deuxième foal que nous voyons ici sur ce ring. Le premier foal a fait partie de la sélection de la première section. Voici le premier produit de Domino des Modes, le 11 mai, je l'ai dit, oui. Jument qui avait gagné deux courses de façon très impressionnante, notamment à Sèche-sur-Loire et à Moulins. Et donc on trouve la famille de Sepia des Modes. On va faire marcher ce poulain de Domino des Modes. La mère est grande, oui. La mère est une fille de Maresca Sorrento. On peut marcher sans étranger le juge. Voilà, la grand-mère Casino des Modes a fait Banco qui a gagné à Hauteuil. 5 courses, Camailleux qui en a gagné 6, elle, des courses en pas, toute petite pour de son domaine, Camailleux des Modes. Et donc Domino des Modes qui elle a beaucoup, beaucoup plus de modèles que vous voyez ici sous vos yeux. Casino des Modes, malheureusement, on n'a fait que 4 produits. Elle est morte un peu de l'âge. Côté. On va trotter désormais, on peut la lâcher. Et on va trotter avec le premier mâle de Castle du Berlay, que nous découvrons ici en public. Fils de Saint-Vessin et Royal Atenia, Castle du Berlay, lui-même, meilleur style de chasseur de 3 ans à Anguien, puisqu'il avait remporté la liste de Sacron à cette